Excusez par avance cette tête et peut-être le manque d'énergie de cette vidéo, mais je suis malade, voilà. Salut à tous! Je vous souhaite une excellente année 2023. J'espère que les fêtes se sont bien passées de votre côté. De mon côté, l'année 2022 s'est terminée sur une lecture des plus poignantes et je mourrais d'envie de vous en parler. Mais avant de vous en parler, je devais faire quelques petites recherches. Ces recherches m'ont pris 3 semaines. Vous commencez à me connaître, j'aime bien quand il y a une part d'histoire dans les romans, même si mes romans ne sont que de la fiction, il y a toujours une petite part d'histoire ou un petit phénomène social, enfin bon bref, j'aime ça. Mais ce que j'aime encore plus, c'est faire des recherches après pour parler au mieux de mon sujet sans faire de grosses bourdes. Cette vidéo a donc nécessité 3 semaines de travail, vous allez voir quelques petites photos, etc. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Le montage, à mon avis, va être long, mais tant pis. Personnellement, la période historique que je vais évoquer avec vous, je la connaissais, mais je ne connaissais pas ce fait-là précisément dans cette période historique. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, je viens vous présenter Nous ne sommes pas libres de Tracy Chi aux éditions Young Novel et c'est traduit par Victoria Senior. Je remercie la maison d'édition Young Novel de m'avoir fait confiance pour parler de ce livre et écoutez, on est parti. Peu de temps après le bombardement de Pearl Harbor, 14 adolescents vont voir leur vie totalement bouleversée. Le gouvernement américain prend la décision d'expulser plus de 100 000 personnes nippo-américaines pour les envoyer dans des camps d'incarcération. J'expliquerai après le terme nippo-américain. Alors que la guerre fait rage et que le monde semble les haïr, nos 14 adolescents vont s'unir et vont préserver leur amitié face au racisme et aux injustices. Mais Dieu sait que la menace de les séparer est quand même très forte. J'aime toujours commencer par la couverture parce que pour moi, quand un visuel est bien fait, eh bien il correspond à l'intérieur du livre. Et là, c'est le cas. Oui, parce que vous allez vous dire, mais le visuel correspond forcément à l'intérieur? Non, c'est pas le cas. Il y a plein d'exemples sur internet, je vous laisse chercher. Vraiment, c'est pas toujours le cas. Ici, il y a énormément de symboles et une représentation des personnages japonais de ce livre absolument parfaite. D'ailleurs, seule une personne qui a lu le livre peut déterminer quels personnages sont présents sur cette couverture. Alors pour moi, de gauche à droite, il s'agirait de Hiromi, Minao et Frankie. C'est le travail sur les expressions faciales et surtout sur les objets qui m'ont permis de déterminer quel personnage pourrait potentiellement être sur cette couverture. Les valises représentent bien évidemment l'expulsion, ces fameuses valises qui vont les suivre tout au long de leur voyage finalement, hein. Leurs affaires. Je ne sais pas si vous verrez, mais il y a quelques petits origamis et j'aime beaucoup ce clin d'œil parce que il est vraiment très symbolique. D'ailleurs, si vous allez sur le site de Tool Lake, je vous parlerai un peu plus de ce camp plus tard, mais si vous allez sur leur site internet, il y a plein d'origamis. Voilà, et c'est un symbole. Moi-même, si vous allez sur Instagram, j'ai pris le temps d'apprendre à faire des petits signes en origami juste pour vous, pour cette photo. Pour finir, c'est probablement l'élément qui m'a le plus intriguée. C'est qu'en fait, je ne sais pas si on verra bien, mais on dirait que les personnages sont comme ancrés dans le mur. Soit un peu comme une affiche qu'on aurait collée, soit comme un graffiti, je ne sais pas trop. Ou alors est-ce que c'est une métaphore du fait qu'on leur dit « faites-vous discret ». Je ne sais pas, j'avoue qu'il y a plein de possibilités. Du genre « faites-vous oublier, fondez-vous dans la masse », enfin vous voyez. Du coup, je ne sais pas. Quelle est votre théorie à vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je n'avais jamais entendu parler des camps d'internement nippo-américains et je trouve ça scandaleux. Quand on pense à nos manuels d'histoire et qu'on se dit, certes, on peut pas voir toute l'histoire du monde entier, je suis d'accord, mais on passe quand même, allez, 4 ans à parler de la Seconde Guerre mondiale, à un moment on pourrait peut-être avoir éventuellement une petite parenthèse pour parler de ça. Parce que quand on regarde nos livres d'histoire, on nous présente les Américains vraiment comme les sauveurs. Et effectivement, sans eux, on n'aurait possiblement pas gagné la guerre. Mais, est-ce qu'on peut dire aussi qu'ils ont fait des choses dégueulasses dans leur pays à eux? On en dresse un portrait héroïque, un portrait tout blanc, nos grands sauveurs, mais, je suis désolée, il s'est passé des choses pas normales. Suite à Pearl Harbor, et par simple racisme, clairement, du racisme, ils ont créé des camps et ils se sont dit, on va mettre tous les nippo-américains. Bon, après, je compare pas les camps d'incarcération aux camps de concentration ou même d'extermination, parce que c'est des degrés beaucoup plus violents. Mais quoi qu'il arrive, ils ont créé des camps pour parquer des gens juste parce qu'ils étaient nippo-américains. Il faut savoir quand même que la réparation de ces actes, de ces camps, etc., par le gouvernement américain, ne sera faite officiellement, la fin sonnera, en 1988.
Les camps ont été créés en 1942. Je n'ai pas pu m'empêcher d'étendre mes recherches pour savoir ce qu'étaient devenus ces fameux camps d'incarcération. À savoir que du coup je me suis concentrée sur les camps qui étaient cités dans le livre, à savoir Topaz et Tulley qui sont les plus importants dans le livre. Mais il est également cité, alors je sais pas si je le prononce bien, Gila River et Tanforan, quelque chose comme ça. Je sais que Gila River c'est celui qu'on montrait pour faire bonne figure, pour montrer qu'on traitait bien les nippo-américains dans les camps. Je n'ai pas les mots. Quel ne fut pas mon étonnement de voir que la majorité des camps que j'ai cités, eh bien ils ont été tout simplement détruits. Alors certaines villes ont mis quelques statues commémoratives, voire même ont ouvert des musées sur le sujet, mais il y a un endroit qui a gardé quelques bâtiments, Tule Lake. Dans le livre, c'est le camp le plus dur, on va dire, c'est là où on envoyait les nippo-américains qui n'avaient pas prêté allégeance aux États-Unis. Bref, ça aussi j'y reviendrai. Un peu comme on peut visiter Auschwitz, vous avez la possibilité de visiter Tule Lake aux États-Unis. En fait, ils ont tenté de faire un lieu de mémoire en conservant les bâtiments, et je crois même que sur leur site, il y a des possibilités pour des espèces de séminaires, pour des rencontres. C'est très chouette. Quelque chose de moins chouette, c'est que, tout comme Auschwitz, et ça j'ai vu sur le site internet, ça m'a rendu folle, il y a des photos instagrammables de gens qui posent en selfie. Non, bah non, bah non. Tu ne poses pas ton meilleur selfie, ta meilleure pose Instagram sur un camp de concentration, sur un camp d'extermination, sur un camp d'internement. Bah non, en fait, ça s'appelle le respect. Quand vous êtes dans des lieux comme ça, s'il vous plaît, ayez du respect. C'est un minimum qu'on vous demande là, du respect. Si vous cherchez la majorité des camps qui sont cités dans ce livre, la plupart sont revenus à l'état de désert, mais Google Maps est votre ami. Si vous tapez camp d'internement Topaz, vous ne peinerez pas sur Google Maps à trouver l'endroit exact où ça se trouve. Et là, vous verrez quelques petits trucs. On arrive encore à voir à peu près les emplacements des baraquements. Si vous mettez votre petit bonhomme sur la route principale, vous ne verrez qu'un désert. On ne voit rien depuis la route, alors que c'est collé à la route, hein, mais on ne voit rien. Alors que si vous mettez votre petit bonhomme sur les deux petits points, vous aurez une vue littéralement au-dessus des camps. Globalement, c'est ça. La différence entre la route et le dessus est incroyable. Il n'y a même plus les bâtiments, c'est juste les marques fantômes de ce qui était là avant. Je ferme la parenthèse historique et on va revenir au cours de l'histoire, donc à Nous ne sommes pas libres de Tresici, mais je ferai encore quelques petits liens avec l'histoire parce que bah, le livre est énormément lié à l'histoire en fait. J'ai été subjuguée par la plume de Tresici, c'est une évidence. C'était juste un flot d'émotions, un flot d'images, c'était incroyable. C'était poignant, c'était cinglant, et à la fois il y avait un côté doux qui nous permettait de faire quelques pauses. Vraiment, on a besoin de ces quelques pauses, je vous assure. J'ai mis 2 mois et demi à lire ce livre, pas parce qu'il n'était pas bon, il est excellent, mais simplement pour digérer les choses et pour faire mes recherches. Je peux vous dire que les larmes ont coulé de nombreuses fois. Mais vraiment, j'étais inconsolable, j'étais dans mon lit, en train de pleurer, tard dans la nuit, je n'arrivais pas à m'en remettre. L'autrice, elle est là pour te broyer le cœur et elle le fait avec une main de maître. J'ai été ravie de terminer l'année 2022 sur une lecture de qualité comme celle-ci. Vraiment, merci aux éditions Young Novel de m'avoir fait confiance parce que j'ai adoré. Vous allez me dire, mais t'as quand même terminé l'année sur un livre hyper triste. Oui, certes, mais c'est un livre de qualité. J'aurais pu terminer sur un livre tout mignon mais qui était nul. Je ne comprends pas pourquoi je n'entends pas plus parler de ce roman. Donc j'espère que là, ma propagande... Oui, parce que je fais de la propagande, là. Eh bien, j'espère que cette propagande aura son effet. Quand j'ai commencé ce livre, je me suis demandé pourquoi l'autrice avait choisi de nous parler de cette période de l'histoire. Et en fait, la réponse arrive en fin de livre. Elle a fait une petite note pour expliquer, voilà, ses choix. Et elle explique que, tout simplement, bah, c'est l'histoire de sa communauté, mais également de sa famille. Je ne vais bien évidemment pas vous parler de tout ce qu'elle a mis dans ses notes. Je vous laisse le soin de le découvrir par vous-même en achetant le livre. Mais ça m'a énormément touchée de savoir que certains personnages avaient été inspirés par des personnes de sa famille. Je trouve ça beau. J'apprécie le travail de recherche, j'apprécie ce côté émotif, j'apprécie que ça touche l'autrice personnellement. Dans son récit, elle a également inséré des personnalités publiques et des événements historiques, ce qui est totalement logique. Elle parle bien évidemment de la Seconde Guerre mondiale, elle parle également du racisme ambiant, et qui n'a pas vraiment quitté les États-Unis d'ailleurs, l'expulsion forcée. Il y avait également le fameux questionnaire de loyauté, ça je vous avais promis d'y revenir, mais c'est un questionnaire qu'on donnait aux gens internés dans les camps
pour savoir s'il prêtait allégeance aux États-Unis ou non. Alors, il y avait bien sûr deux camps qui se sont créés avec les oui-oui et les non-non. Je comprends les deux parties. Je comprends que les oui-oui veulent rester aux États-Unis parce qu'ils ont construit leur vie ici, en fait. Tout simplement, il y en a qui n'ont jamais connu le Japon, d'ailleurs. Enfin, je comprends. Je comprends vraiment. Et je comprends en même temps les non-non qui sont en colère. On les a foutus dans un camp d'internement. Enfin, je comprends leur colère. C'est le gouvernement américain qui a fait ça. Donc, voyez ? Ça, c'est l'importance d'avoir plusieurs points de vue. Ça aussi, j'y reviendrai. Mais il y a énormément de points de vue différents dans ce livre. Et on comprend tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, il y a un moment... Pourtant, je sais pas si ça devrait être vraiment marquant. Mais c'est peut-être parce que j'en ai vu une image. Je vous mets l'image. Il y a des gens qui mettaient « Je suis américain » sur leur boutique, sur leur magasin, pour éviter que leur magasin soit détruit. Je sais pas, ça m'a choquée. C'est juste une pancarte qui criait « Hey, on est comme vous ». L'autrice, à la fin du livre, donne également une liste de livres complémentaires, si jamais ça vous intéresse, voilà. Elle met une liste de livres complémentaires pour pousser le sujet au maximum. Nous sommes bien évidemment face à une histoire qui comporte des violences physiques et psychologiques, donc je tenais à prévenir que certains moments peuvent heurter la sensibilité. J'avoue que j'y ai vu quand même pas mal de similitudes avec les camps allemands, mais c'est aussi parce que en soi j'ai l'impression que c'est les seuls camps qu'on a connus, donc forcément tu fais un lien, mais c'est quand même des camps différents. Dans les camps d'internement, par exemple, il y avait des écoles, il y avait le réfectoire, il y avait des endroits pour faire du sport, les gens travaillaient. Bon, par contre, ils étaient dans des conditions d'hygiène déplorables, ils étaient parqués comme des animaux dans des espèces de granges, avec un pauvre poil, enfin, peu d'affaires. On leur avait tout retiré, on leur avait retiré toutes leurs affaires. Ils avaient pu prendre qu'une petite valise chacun, il me semble. Les mauvais traitements, les violences... Désolée, j'ai plus les mots. Pour rappel, environ 120 000 personnes ont été envoyées dans ces camps. Il s'agissait de ressortissants japonais ou de personnes américaines avec des origines japonaises. On ne peine absolument pas à se représenter la vie dans les camps, c'est extrêmement bien décrit. Et on aime tous les personnages. Je suis désolée, je n'ai réussi à détester personne. On a 14 points de vue dans ce livre. Alors, c'est énorme. Mais ça prend tout son sens. Chacun a sa manière de voir les choses. Et parfois, les personnages ne sont pas au même endroit. Donc on a besoin d'avoir cette différence de vision. 14 personnes, ça paraît beaucoup, mais en soi, les liens sont rapidement faits. Moi, j'ai juste peiné avec les petits frères et les petites sœurs. Parce que souvent, on nous présente d'abord les grands frères et les grandes sœurs, mais t'as le temps d'oublier les petits frères et petites sœurs. Et quand ils arrivent, tu te dis, mince, tu appartiens à qui, toi? On est sur des personnages qui ont entre 14 et je crois que le plus vieux il en a 19. C'est des enfants. C'est des enfants. Je me suis attachée à tous les personnages d'une manière totalement différente. C'est-à-dire que il y a des caractères qui sont drastiquement opposés. Que, en règle générale, ils auraient été dans un livre lambda, comme je lis d'habitude, dans une petite romance de lycée, un truc comme ça, vous voyez. Il y a des personnages que j'aurais détestés. Et je le sais consciemment. Mais, de par leur histoire, et de par leur manière de voir les choses, le fait qu'on est avec eux, eh bien je les comprends. Il y a forcément des attaches qui se sont faites plus facilement qu'avec d'autres. Par exemple, le personnage de Minao, je l'ai adoré du début à la fin. Il y avait cette sensibilité, il y avait cette douceur dans ce personnage. Ça a fait de lui un des personnages masculins les plus attachants. J'ai aussi beaucoup de respect pour son frère Mas, mais en fait je me suis rendu compte que le respect que j'avais pour lui, c'est simplement parce que les autres, en tant que leader de la bande, bah ils l'idolâtrent, ils l'adorent, c'est l'homme de la bande, c'est lui qui gère. Donc forcément, tu as du respect pour Mas, même sans le connaître personnellement. Chez les filles, j'ai préféré Aiko parce que pour moi c'était un feu vivant. C'est-à-dire que elle était pleine de haine, elle avait le feu, elle avait la rage, elle voulait aider, elle est combattante. C'est une combattante, Aiko. Du haut de ses 14 ans, c'est une combattante. C'est une tête brûlée, elle écoute rien, mais on l'adore. Pour moi, le fait de gérer 14 personnages différents, ça a été fait d'une main de maître. C'était incroyable. Je n'ai jamais vu un si bon schéma. Tout collait parfaitement. Dans tous les malheurs de ce récit, il y a toujours un rayon de soleil. Elle apporte toujours cette petite touche de joie qui fait qu'on reprend espoir. Et après, elle nous termine. Mais... il y a toujours des petits moments de joie. On ressent la peine, on ressent la haine, on ressent la pression. Mais on ressent aussi parfois de l'amour. Parce que oui,
Il y a des petites histoires quand même, c'est des adolescents, ok? Laissez-leur un peu de joie. J'ai eu de belles surprises et des choses horribles. Pour ma part, Tracy Chi m'a fait passer du rire aux larmes en 2 secondes. C'est un talent immense que très peu de personnes ont. Donc pour ça, bravo madame. Cette lecture, elle bouscule, elle vous fait découvrir une période de l'histoire qui est possiblement méconnue pour vous comme elle l'a été pour moi. J'espère que tout comme moi, vous prendrez plaisir à découvrir ces 14 personnages, tous plus incroyables les uns que les autres. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !